coup, ils se préparent, ils mettent leur contrôleur. Donc on va voir, je ne sais pas personnellement quel match ils jouent. Mais donc là on est en... Ah, te revoilà Nobody. Nobody qui est de retour, n'oublie pas de bien réactiver le micro. Tombéry contre Pew. Exactement, Tombéry. Snake contre Ness. C'est ça, c'était ça. Et ce magnifique match. Et oui, c'est d'accord. L'un des meilleurs Ness Europe, effectivement. D'accord. On commence ce fameux 2h en 8. Et ben, on va voir, ça promet d'être très intéressant puisque ces deux persos sont très particuliers, qui sont assez durs à jouer. Puisqu'il y a avec l'enfer de Snake qui est pas juste, c'est pas juste un perso, un projectile. Ah oui, clairement. On va dire, c'est un bullet hell, littéralement. Oui. C'est, tu joues à tout, project. Oui, clairement. Tu as tout, météore, père. Mes grenades, objets, donc, Oui, t'as tout ce qu'il faut pour zoner. Pew qui balance directement des pieds flash. Ah oui. Qui est un move qui est pas très un peu vu de la part de Neff. Mais par contre, on peut aussi voir qu'il utilise énormément son Psy Magnet. Et j'ai vu que son Psy Magnet a absorbé quelque fort. Chose. Je, oui, n'ai, oui. Je n'ai pas vu ce que c'était. Ses combos magnets sont très très forts avec. J'ai l'impression que le Psy Magnet peut absorber les explosions. Oui, oui, c'est le même. C'est d'ailleurs Neff a le match-up, bien évidemment. D'accord. On va dire que 1 C4 lui régène 15 HP, 20 HP. Oui. D'accord, c'est quand même extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Ah oui, je vois ça. Donc là, il faut faire extrêmement attention de la part de Snake, puisque Ness qui a son Psy Magnet qui est un move qui est extrêmement puissant. Ah oui. Donc là, on a réussi directement. Oh mon dieu, c'est directement. Il a réussi à grab le back throw. Il est direct. C'est parti. Voilà, ça y est, on en parle plus. 50%. Là, il est en train de démo Pew qui est en train de démolir Tombéry. Là, quand même. Ah oui. C'est. Effectivement, il faut quand même respecter l'un des meilleurs Ness Europe. Hein. Il faut totalement respecter. Et puis, franchement, j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer contre Ness. Et je peux vous dire. D'accord. Je peux vous dire, effectivement. C'est super fun à jouer. C'est hein. quelqu'un de très, très, très fort. D'accord. Ouais, c'est ouais. pour ça qu'il est très respecté dans le milieu de Smash. Oui. Tombéry aussi est quelqu'un de très, très fort. Il ne s'arrête jamais dans les tournois. Il est dans chaque tournoi. Ah, là, il en fait. Il est là. Va aller chercher cette stock peut-être. Le petit, il n'a pas été cherché à la stock. Puis il n'a pas beaucoup creusé des cartes. Il n'a pas énormément utilisé sa stock d'avance. Pour l'instant, il essaie de le toucher, mais. Là il a commencé, il a un peu mis offstage, mais Snake a réussi à repartir. Pour l'instant ça va, il a l'air de se débrouiller sans trop de problèmes. Oh le backer qui passe. Voilà le backer qui a réussi à balancer. Salut. Donc là Tombéry qui a quand même un bon retard de pourcent en fait, hein. Il est quand même à 94%. Ah oui, avec oui. Ness ça peut aller très vite, hein. Il est très très vite, mais Snake aussi, hein. Ça peut aller sur des très gros combos, grenade into backer. Exactement. Ça peut aller très très vite, hein. Regardez là comme je vous le dis là, c'est exceptionnel. C'est ça, là il y a Ness qui oui on voit Ness énormément utilisé sur Psy Magnet, c'est un outil qui a là une hitbox, ça peut empêcher l'ennemi de se rapprocher, ça permet ça de. Transforme la grenade, les HP, le petit, dommage qu'il ne passe pas. Ouais il a essayé la neutral get up. Snake, qui a raté son grab, bien évidemment. Le dash attack. Ouais. Il a essayé d'absorber le C4. Hein. Et oh le C4, il n'a pas été mais absorbé. Oui ça y est, Tombéry réussit à reprendre reprendre son avantage. Il a profité du lag. Tombéry qui s'est pris son C4. Oh là là, le yo-yo qui ne fonctionne pas, le dommage. Yo-yo qui réussit, mais le yo-yo qui, quand même, a un outil extrêmement puissant. Oui. Très très fort. C'est très très fort, ça peut permettre des ledge traps de taré. Oh là là, mais il est dans sa tête, hein. Il l'a téléchargé. Hein. Tombéry a téléchargé Pew. Hein. Ça y est, il a même pas fallu une game pour s'adapter. Il a commencé directement sans problème, ça y est, il peut. Ça fait plaisir en tout cas de voir quand même. C'est... On va pas se mentir, hein, ces deux monstres quand même de ce tournoi. Le backer de Neff. Ça y est, qu'est-ce qu'on a oh dit? Qu'est-ce là, qu'on a dit juste avant? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est ça, on l'a dit, il a pris de l'avance. C'est deux monstres. Y'a rien. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, excellent. Excellent B pour essayer de zoner le Snake. Tu t'adaptes, je m'adapte, tu t'adaptes. C'est ça qu'on aime. C'est ça, exactement. Avec deux joueurs très intéressants dans ce match. Ils sont très très forts, deux joueurs très très forts qui s'adaptent petit à petit chacun à leur gameplay. Tu t'adaptes, je m'adapte. Tu t'adaptes, je m'adapte. C'est le jeu. On peut le faire, il n'y a aucun problème. Là, il y a Ness qui balance quelques coups ailleurs. Voilà, on cherche. Pour l'instant, on est sur la dernière stock, donc on est quand même qu'au premier match. Effectivement, il peut absorber aussi la roquette, peut-être le dunk qui va passer, bien évidemment. Ça ne passera pas. Oh là là, dommage, là, ce chill qui aurait été exceptionnel. Le backer, ça passe sans problème. On peut voir que Pew profite énormément de son magnet, hein, parce qu'il peut effectivement faire des combos. Il n'a pas réussi à absorber la roquette, c'est qui est touché, qui va réussir. Qui réussira à zoner. Oh mon dieu, la roquette. La roquette qui prendra la roquette. C'est en headcard, c'est parfait. C'est magnifique, c'est excellent. C'est exceptionnel ce qui se passe. Et on en est encore pour premier match.
effectivement. Donc là, on va voir ce qui va pouvoir réussir, ce qui va pouvoir se passer dans la suite de ce tournoi. Donc ça va être très intéressant. Ça va être magnifique. Voilà, c'est magnifique. Donc, on vous le rappelle, hein, bien très évidemment. Content d'être là. Très content d'être avec toi. Exactement, bien évidemment. Bah, merci du coup à Nobody de la baie. Mais donc, bah, merci beaucoup. C'est très intéressant sur ce FreeCast de Solary Event. Bien évidemment, on remercie Solary hein, pour nous permettre aux joueurs, bien évidemment, exactement, aux spectateurs de pouvoir cast. Ça fait plaisir ça. De voir quand même. Voilà, donc pour le tournoi. Ah là là, franchement, en vrai, ça genre, je trouve ça vraiment cool qu'on ait un match-up Ness-Snake. C'est vraiment des match-up qui, si à affronter, ça peut être vraiment pas fun. Ah, mais c'est vraiment un des avantages. À regarder, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. C'est beaucoup de mind game en fait, surtout que Ness va pouvoir jouer avec son magnet qui absorbe. Comme t'as vu tout à l'heure, il a magnet. Mais il attention, a magnet, mais puisque il faut le dire, hein, le magnet absorbe les explosions, mais il n'absorbe pas les projectiles. C'est-à-dire que il va pas absorber les trucs comme le shikar. Ah non, il absorbe l'explosion. C'est ça. Oui, il absorbe l'explosion, bien évidemment, mais il ramène la roquette autour de lui. Mais du coup, ça peut faire des petits jeux, puisque si ton Boris balance une grenade, Nias va, s'il veut, soit il absorbe l'explosion, mais du coup, s'il veut absorber l'explosion, il va devoir se mettre contre les magnets. Et ton Boris qui peut balancer des petites box pour le faire. Et commencer même limite des combos. Effectivement, ouais. On va essayer de se concentrer sur cette game. Hein. Tombéry qui essaye de recovery assez high. Mais on peut voir que. Plus qu'il met des beaux backers. Aïe 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 aïe. Kinote qui a essayé de toucher Cypher. Hein. Cypher qui tank énormément, bien évidemment. Au Edgeward, peut-être le up smash qui va essayer de toucher. Ça a touché le star skill. Tombéry. Mais Tombéry, qu'est-ce que tu nous fais? Il fait des dingueries. Qu'est-ce que tu nous fais? Les petits backers comme ça, y'a pas de problème. Il est exceptionnel. Hein. Il est exceptionnel ce Tombéry. Vraiment incroyable. Il a un très bon second, c'est Wolf. Oui. Il a un très très bon second. Oui, son Wolf, oui, son Wolf est musclé. Hein. J'ai vu ça, il était dans. J'ai vu dans des tournois. Ouais, Debs Fighting, exactement. Il a affronté Krieg. C'est le back. Ben, normal, backthrow. On n'en parle plus, le backthrow de Ness. La backthrow de Ness, il y a quelque chose d'ailleurs. Beaucoup de personnes ont des backthrows. Hein, d'ailleurs, des backthrows qui tuent énormément. Parce que vu que c'est risqué de prendre des backthrows, c'est pas évident d'être. Parce que si vous grabez quelqu'un, il faut être du côté du ledge si vous voulez réussir à tuer quelqu'un. Mais c'est très bon, très bon Edgeward Dombéry qui ne laisse pas Ness revenir sur la plateforme. Il ne le touche même plus depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, on vous prend ça. Il a littéralement téléchargé plus en fait. C'est ça. Eh mais c'est incroyable, quel tâche attaque. Nous, on aime ça, on aime ça. Smash c'est exceptionnel. C'est un jeu exceptionnel. Peut-être le bas. Est-ce que il va réussir le démon de qui? Il active même pas le C4. Il active même pas le C4. Tombéry, tu vas nous faire quoi dans ce tournoi? Qu'est-ce que tu nous caches? D'ailleurs, là, on est en loser, tu sais, pour qui il a perdu. Il est tombé contre qui? Il s'est fait upset? Je me demande, bah, puisqu'on est en loser. Bah, c'est, justement, je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir dans le bracket. Du coup, c'est intéressant. Est-ce que peut-être si la régie pourrait nous dire ça au hasard? Je vais essayer de. Est-ce que tu sais qui a fait tomber Tombéry en loser? On va voir ça immédiatement, merci beaucoup à la régie pour ça. Du coup, Pew qui envoie quelques. Il a énormément de mal. Ouais, il a beaucoup de mal à s'adapter, il a une stock de retard. La dash attack qui. Okay. Ah, Mister, il d'accord. Qui va réussir à Edgeward, peut-être le Snake dans la dash attack qui va remettre Pew en position. En position de. Dans les airs. Oh là là. Il n'a pas réussi. Il a tenté, il profite de sa stock. Recovery de Snake, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a pas réussi à recover? Malheureusement, il a énormément de délai après son météor. Énormément de frame lag. Très compliqué, par contre faudra faire attention avec les explosions, faudrait pas que Ness récupère des PV. Il a déjà récupéré 30 HP. Attention hein, peut-être voilà le C4 qui a réussi à cancel le FR hein, qui aurait pu être meurtrier. Oui, ça, Tombéry, ça, va, cette ça game. Ça tombe. Hein. Ça tombe Berry. Effectivement. Allez, hop. Petit Edgeward hein, bien évidemment. Le avec son mais qui ne passera pas puisque il y a toujours l'invincibilité de la part de Ness. Là, c'est vraiment une game très très serrée hein, qui retourne à sens que le backer peut-être va réussir à tuer qui mène en Edgeward. Le Ness qui est touché. Oh là là. La recovery de Ness qui est tellement exploitable. Il se fait toucher. La recovery de Ness, c'est ça, extrêmement exploitable. Je pense c'est compliqué. Oh mon dieu, le top smash. C'est magnifique. Il a pris les deux. C'est magnifique. Il nous a fait ça, c'était vraiment. C'est un incroyable match. Et du coup, là, le set est fini. Parce qu'il a réussi à gagner deux games. Et du coup, il a gagné le set. Il est en top 8. Tombéry est en top 8.